Aujourd'hui, en France, tu as 10 milliardaires, à peu près, hein, qui détiennent à peu près 95% des médias. Que ce soit papier, radio, télé, c'est les mêmes gars derrière. J'ai décidé de créer une revue de presse alternative, créer un média qui soit complètement libre, où il n'y ait pas de parti pris, il n'y ait pas de rédacteur en chef, il n'y ait pas de ligne directrice, où ce soit les gens qui créent le contenu, que ce soit les gens qui créent qui modèrent, qui créent le contenu, qui fassent vivre que ce soit le média qui représente les gens, quoi. On n'en a pas aujourd'hui. J'ai un besoin de faire en sorte que les gens se récupèrent leur libre arbitre et se libèrent de tout ça, quoi. Le rôle que j'essaie d'avoir dans le changement, me dire que j'ai un impact. Mon but, c'est d'essayer d'avoir le plus gros impact. Et ça devrait être le but de tout le monde, je pense, pour que les choses changent et reviennent sur des choses plus saines, quoi. Enfin. Ça me scandalise. Déjà, à titre personnel, de me sentir manipulé, ça me rend fou. J'ai l'impression d'avoir aucun contrôle sur les choses. Et de constater que c'est la majorité des gens qui sont dans cette situation-là, ça me rend encore plus fou. Ce que je reproche principalement, c'est les partis pris, c'est les conflits d'intérêts. C'est Bouygues, c'est tous les grands riches là, qui ont racheté tous les médias, mais... Pourquoi est-ce qu'une banque va acheter des médias? Il n'y a que des conflits d'intérêts. Tu peux pas avoir une information libre aujourd'hui dans les médias officiels. Si le monde en est là aujourd'hui, c'est que les gens laissent faire. Et les gens laissent faire parce qu'ils savent pas. Donc faut qu'on fasse en sorte que les gens sachent. On a tous les outils. On a Internet, on a tous les outils qu'on veut. On a Facebook, aujourd'hui, Internet, c'est un outil qui est en or. Alors oui, l'État, les riches, etc. font tout pour essayer de le restreindre, mais quelque part, si on se laisse pas faire, c'est notre outil, quoi. Ça nous appartient, Internet, on met ce qu'on veut dessus. Il suffit juste de se lancer. It was a perfect night to break.